Allez, bon, je vous propose une nouvelle partie du Let's Play de The Last Story. Ah tiens, l'écran titre, il a changé. Quoi ? Attendez, hein. J'ai, alors, 4h52, 4h59, celle-là la plus récente. Après les Peak Five que j'ai fait avant et que j'avais rage quitté le jeu, oui, parce que j'ai rage quitté le jeu dans la partie d'avant, quoi. Ça m'avait trop dégoûté, le boss Hard Life. J'espère pas que ça va se repasser. Ça me ferait vraiment chier. Parce qu'en tout cas, les boss sont assez hard. Ben, tiens, le chat qui se réveille exactement au même moment. Alors, par où dois-je aller déjà? Par en haut. Ou bien qu'est-ce que tu veux, chaton? Où dois-je aller? Je m'en rappelle plus. Ah, là, peut-être. Bon, on a déjà vu, donc je zappe. Je peux pas zapper. Ah, si, quand même. Vu qu'on a déjà vu, ça sert à rien de revoir, hein. Tu peux pas éviter l'attaque. Il balaye sur toute la zone, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez, troisième tentative, putain. Déjà le halo divin à notre pute, je me demande à quoi il sert. Alors ce que je vais faire, je vais essayer une autre stratégie. Hop. Et hop. Je vais mettre deux soigneuses. Et on verra est-ce que ça marche. Ben on sait que... Je crois qu'il va tourner... Oui, ben ça on a compris quoi. Faut encore réussir à l'éviter. Mais n'importe quoi, mais j'étais... Putain, mais j'étais déjà essayé de me casser avant qu'il me frappe. Mais c'est quoi ce bordel? Il y a une pute lag. Ce jeu a une pute lag, quoi. C'est pas possible. J'ai essayé de me casser avant que je lui vois faire son attaque. Non, ça marche pas. Putain de caméra! Mais bah comment je le fais quoi aussi? Ouais, ben voilà quoi. Je sais pas comment le faire. Ça c'est bien quoi, disperse des trucs, mais tu le fais comment? Non, disperser quoi? Je sais ce que c'est le halo, mais bon. Comment est-ce que je les fous ailleurs? C'est peut-être ça, mais c'est pas clair. Ouais, je crois que j'ai compris en fait. Alors, tac, je vais te laisser ça. Tac, je vais te laisser ça. Merde, c'est bon. Je pense que c'est le truc là de la garde. Qui est quand même bien utile au final. Bah, il est pas là son putain d'halo. Ah bah il est là. Là ça a rien fait.
Voilà. Oui, ben l'assaut, c'est bien, c'est clair que ça sert, mais. Mais putain! Mais il le fait jamais. Putain, il pouvait pas monter dessus, c'est quoi ce bordel? Il me faut de l'huile. Pas de truc de fond. Si, là-bas. Il résiste trop ce truc. Voilà. Putain, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire contre ça, sérieusement, tu peux rien. Mais rien faire. Rien du tout. Tu peux rien faire. Comment ça me file un petit peu la gerbe, sans déconner. Cette caméra qui se va juste où tu veux jamais. J'ai compris le truc du boss, c'est bon, je sais comment le battre. Mais le souci, c'est cette attaque inévitable qui te fait. Oui là, et puis il faut que je l'attaque maintenant pour qu'il tombe. Mais ça, j'ai compris, hein, c'est bon, ça fait un moment que j'ai compris. Oh, Minou. Je vois ton putain de bouclier, espèce de conne. Mais tu te tournes, caméra de merde. Il est où le bouclier, là? Voilà. Mais tu peux rien faire contre ça. T'es obligé de crever, ça... Qu'on me dise pas que c'est pas mal foutu, quoi. Faut vraiment faire le gros fanboy pour dire que c'est pas mal foutu. Bon, il refait ses pics de merde, là. Eh merde, putain, j'ai pas eu le temps de me casser. Bon, y'a pas un halo, là. Faire celui-là. Mais putain, je vois rien du tout. Eh, ça y est. Ah, là, il y a le sang déjà. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle refoute son halo de merde. Notre conne, là, mais elle fout rien. Putain, bon, l'autre piste, elle décide à foutre son truc au sol. Piste caméra de merde, mais putain, la caméra, c'est vraiment... un putain de souci, quoi. Tu vois, regarde, là, voilà. Elle est mal passée la plupart du temps. Là c'est bon pour la cam. C'est quand même se mettre. Ah ben voilà, enfin, c'est pas trop tôt.
Tiens, il s'est fait bloquer. Mais non, tu peux rien faire. Tu peux rien faire contre ça. Je suis vraiment sérieux, tu peux rien faire. Ah, puis bien sûr, il est plus là. J'en ai marre. J'en ai franchement marre, quoi. Putain, mais elle me fout le halo qui protège. Ah putain, il est par terre. Non, même pas. C'est l'autre con. Putain, 40 minutes. Bon, il crève ou pas, ce con? Il reste plus de rien de live. Il y a un con qui est KO là-bas. Il est mort. Putain, mais comme il m'a fait chier, 40 minutes. Il était ça, il est vraiment à cause de vraiment de conneries, quoi. Vraiment à cause de conneries qui t'a. De trucs qui t'ont shoot et que tu peux même pas éviter. En 40 minutes, faut compter 10 minutes le boss. Ouais, quand je suis à 1h30 sur cette partie, j'arrête. 1h30 sur la vidéo. N'importe quoi. N'importe quoi. Oh, il y a chaton. N'importe quoi, ça. Alors, si tous les boss sont comme ça, ils ont des attaques qui one shoot et que tu peux pas éviter, c'est pas génial. Même que le système de combat est excellent, là, c'est vraiment, vraiment chiant. À mon avis, les combats seraient largement mieux sur Primo. Pas ce problème de caméra quand tu te mets dans certains angles. Parce que dans certains endroits, j'avais la caméra qui se tournait de face. En fait, je voyais plus le boss, donc je pouvais pas savoir ce qu'il faisait. Mais pour te tourner, ben, c'était L2. Voilà. Et d'ailleurs, je vais changer un truc dans les contrôles tout de suite après. Je vais mettre L1 la caméra, L2 l'espèce de pouvoir. Et la deuxième chose, c'est le fait de devoir tenir appuyé sur la touche A pour pouvoir activer le truc des halos. Alors que c'est la même touche que l'attaque, ça je trouve pas bien foutu. C'est les deux gros défauts majeurs en combat. Et le troisième défaut, mais bon, ça c'est mon point de vue personnel, c'est le fait que des fois c'est un petit peu trop surchargé. Bon, est-ce que Monster Hunter partie 5, il est pas rendu encore. J'ai 2-3 problèmes de rendu vidéo avec les MH, c'est un petit peu relou. Alors j'ai pas lu ce qu'il fallait faire parce que là j'étais un petit peu gavé. Alors déjà je vais changer ça dans options. Voilà, normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. Je voulais juste changer la vue sous L1. Comme ça, ça fait comme dans Monster Hunter. Alors, qu'est-ce que tu dis, espèce de petit con là? T'as un marteau, ça fait mal, c'est dangereux. Attendez, le boss m'a donné une arme. Est-ce qu'elle sera peut-être pas un peu mieux? Peut-être pas, je pourrais l'équiper. Bon. Bon, je sais pas quoi faire par contre. Ah, boutique. Vends-moi ta drogue, connard. Ah, identifié, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai à vendre là? Un angle. Ok. Alors, apparemment, la thune dans ce jeu, c'est pas trop un souci, à mon avis. Je sais pas ce que je dois faire, par contre. Rouge. Non, ça je m'en fous, quoi. Non. Peut-être juste. Oups là, pas que ça plante le cord. Voilà. Ah. Merde, putain, j'ai failli niquer quelque chose. Oh, mes chatons!
Il faisait chaton. Ok, tu m'as pas aidé, connard. Dis-moi juste où aller. C'est fou que je parle à tout le monde. On a une dose de sucre. Une dose de sucre, putain. Ça me fait trop peur. Tu sais même pas si ça te sert à te soigner ou autre, quoi. C'est pour ça que j'achète pas. Ah, bien. Hélène, ouais, c'est insupportable, ça va. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je foute? Ouais, ouais. Peut-être sur le pont. Peut-être là, on sait jamais. Tout ce que je veux, c'est pouvoir continuer de avancer dans l'histoire, quoi. Pour que... Je sais pas du tout où aller. Ah ben voilà. Enfin. Oh putain. Bon. Blablabla. On s'en fout. Bon. Où dois-je aller? Alors, je vais peut-être retourner sur le... sur le pont avant, arrière, avant. Non, monsieur Marteau. Alors, là, peut-être. À mon avis, là, ça va arriver dans la même salle. À mon avis. Ouais. Je sais pas ce que je dois foutre. Je sais pas ce que je dois foutre et j'ai horreur de ça, quoi. À mon avis, c'est le genre de passage à la con que tu dois attendre qui t'arrive ou je sais pas où. Moi, je m'occupe de la porte, putain. Oh non. Bon, tu répares. Oh, mais putain. Chambre du capitaine. Jacques Sparrow, machin, truc. Bon, est-ce que je peux prendre le contrôle du vaisseau, moi? Ce serait déjà pas mal. Ah. J'ai bien fait de revenir voir, là. Bon, on va voir de la merde, comme d'habitude. Ah cool, je vais pouvoir upgrade. Je vais pouvoir upgrade l'arme. C'est quoi ça? À mon avis, tu refights le boss. Je pense que c'est ça, à mon avis. Si tu vas là-dedans, tu refights le boss. Je suis quasi certain. C'est le même système que dans Valkyrie pour Fight 2. Tu peux affronter les boss.
maintenant que je pars tenter, genre un petit peu. Si, imaginez, je rentre avec le boss là sans faire exprès, je recrève, youpi. C'est la joie. Oui, je vais retrouver, c'est le type qui grade les armes. Ah, cool, il y a des trucs. Alors. Il peut toujours aller. Je vais acheter, hop. C'est pour qui? Je sais pas. Ah, cool. Ouais, non, mais je vais garder ma thune pour quelque chose de sérieux. Alors, je peux non, putain, ça a l'air bien puissant, ça. Mais je pense que ça doit être tout lent. À moins que je puisse l'équiper, je sais pas. Attendez, voir. Non. Elle est où l'arme qui devient ultra puissante, là? Ah non, sur le salamander. Juste un truc. Alors, équipement. Avec vous l'épée là, putain. Tu viens d'acheter. Ah voilà. 250. Oh, direct. Ensuite. Allez, où l'autre arme? Putain! Ah, ici. Ensuite. Merde. Elle avait pas deux armes, elle. Ah, voilà. J'aimerais bien pouvoir la jouer, cette miss, en fait. Je préfère... J'aime bien les personnages qui utilisent deux armes en même temps. Ok. Je vais me grader. Encore, c'est bizarre que je puisse pas l'équiper, cette arme. C'est vraiment bizarre. Je comprends pas. Qui c'est qui puisse l'équiper? Non, c'est pas lui. Voilà, bah oui, c'est lui. Yep. Combien de et tout ça. Donc, je vais la mettre à plus 3 déjà. 5% de paralysie. Yep. Allez, plus 5, c'est parfait. Ah, là, je vais lui prendre. Les araignées, dégâts en fois 2, ça c'est cool. Ah, je peux pas lui grade plus. C'est pourri. C'est pourri. Où est-ce qu'il a des armures, ce con? Alors. En acheter deux, je vais les équiper. Bon, à toi, déjà une sur elle. Ah merde, j'en avais déjà une. Il peut équiper deux armes, lui. Ah bon. Une sur lui. Voilà. Bon, maintenant, je sais pas du tout où aller, ça devient chiant. Je sais pas si. En fait, je sais pas si je dois parler à tout le monde ou si je dois débloquer quelque chose, c'est ça le souci. Je vais essayer de parler à lui, non pas à lui. Je trouvais ceux qui sont avec moi où ils sont. Déjà, je vais faire une sauvegarde quoi, au cas où je fais une connerie de boss. Ou au cas où je fais une grosse connerie tout court. Alors peut-être j'en ai déjà fait une. Enfin, on s'en fout. Voilà. En fait, ouais, il suffit juste de faire les bonnes scènes. Elsa,
あれがいいんじゃないか。どれ。おお、エルザ、さすがだな。あれにしよう。そうだしゅ。そして船は。Ouais, en fait c'était ça quoi, il suffit juste de marcher un petit peu et au bout d'un moment tu repassais devant le NPC correct et ça te débloquait. Enfin, j'ai toujours eu horreur sur dans les RPG les scènes où tu étais sur un bateau parce que la plupart du temps tu dois te faire chier à attendre 3 plombes. Pour ça vraiment que ça me faisait un petit peu chier. Putain, je vais m'installer là. Le mur pour... Ah, j'aime pas les murs. Alors... Putain de câble de merde. Ouais, je pense que cette vidéo-là, je l'arrête à 1h30. Du temps, vu que je couperai les trois premiers essais du base. Ah, ça, on va à peu près mis à jour une fois par semaine. D'ailleurs, j'avais dit que je mettais quand la partie 2 du Let's Play. Je vais regarder... Je l'upload après. Ouais, lundi. Je la foutrai aujourd'hui, la partie 2, je ne sais pas. On va finir Chrono Trigger. Là, cette partie de Chrono uploadée, la 16 à la 17. Monster Hunter, ça me sert à rien de demander quand je mettrai des parties à jour. Hein. Ça sert à rien du tout. D'ailleurs, ça me tape sur les nerfs quand on me demande quand je mets à jour pour MH. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, le jeu est beau, mais je vais vous dire franchement. Je trouve qu'il a trop des couleurs d'usinage raw. C'est pas. Je le trouve trop, ouais, je le trouve trop d'usine au niveau des couleurs. Par contre, je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, écoutez, moi ce que j'aimerais bien c'est pouvoir dégager. Je vais retourner voir là-bas. Ah, il y a chaton. Qu'est-ce qu'il faut sur le bateau? Bon, les 4 dans ce jeu ils ont l'air un peu cons quoi. Ceux de VP2 ils étaient beaucoup plus réactifs. Est-ce que je dois aller là? Ah! Il y a un petit con là-bas. Est-ce qu'ils vendent la drogue? Ah non, c'est elle. Qu'est-ce que c'est? 私が育った森ではこの花びらが空一面を舞って覆い尽くしました。その森ももうなくなってしまったのですけれど。やっぱり戦争で。いいえ、理由が分かりませんの。森そのものの生命力が失われてみんな枯れてしまいました。だから私は旅をしていますの。その理由が知りたくて。でもどこに行っても同じですわ。どこでも森が枯れ、大地は荒廃しています。この島にはまだ生命力が残ってるのかな。そのようです。もっと奥まで調べに行けるのであれば何かわかるのかもしれませんが。そのために旅をしてるんでしょ。はあ、もしそれで少しでも後輩の理由がわかればいいことじゃないか。ありがとう。Je sais même pas ce qu'en fait, j'ai pas lu. J'ai tourné l'écran 3 secondes, j'ai même pas lu, putain. Ça aurait pas l'air important. Attendez, le chapitre 13 a duré 1 minute ? この島に強く残る生命力。その秘密を知るためにエルザたちは森の奥深くへと入っていった。
Ouais, bah écoutez, vous savez ce que je fais, même que cette partie se rend très courte. Je coupe maintenant pour cette partie. Je pense qu'elle durera une vingtaine de minutes à peu près. Et donc, fin de cette partie, parce que sinon je sais même pas où j'en serais, puis c'est un bon endroit pour débuter une nouvelle. Allez, une petite pause et je vais reprendre une tout de suite.